Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai vu la nouvelle vidéo de Gallius et je me suis dit, étant donné que ça l'embête de ne pas découvrir le mystère de cette épave, et comme elle est très 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 difficile à découvrir, je me suis dit que j'allais lui donner un coup de main. Et en plus, je voulais faire la vidéo de la capture de Spiritomb. Et oui, c'est ça la surprise de ce mystère, c'est la capture de Spiritomb. Donc tout d'abord, il te faut la clé de la salle 6. Donc voilà. Donc tu as l'impression d'être épié, hein. Ensuite, bon, moi j'ai sauvegardé parce que je tiens pas à recommencer tout le trajet. Parce qu'en fait, c'est Spiritomb est suicidaire. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est d'utiliser, comment ça s'appelle déjà? D'utiliser un. Ah, je me rappelle plus le prénom. D'utiliser une sombre bol. Excuse-moi pour le bug. Donc voilà. Alors moi j'ai vu qu'il fallait utiliser le cherche-objet, et voilà, il apparaît derrière toi comme par magie. Voilà. Alors j'espère que j'ai une sombre bol ou une rapide bol. Ça pourrait vraiment m'aider. Parce que là, il est très difficile à capturer. Il faut à chaque fois faire retour vers le menu. Donc c'est une fenêtre. Alors je m'autorise les légendaires parce que j'aime bien faire l'aventure avec mes Pokémon favoris. Donc voilà. Après, chacun a ses idées. Ce n'était pas un jugement. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai une sombre bol? Oh, j'en ai trois. Super. J'espère que ça va marcher du premier coup. La dernière fois, ça l'avait fait. J'ai pris. Alors, un. Ah non! Qu'est-ce que t'as fait? Machination. Oui! Ça, c'est cool. Oh, génial, il a pas fait souvenir. Oui, parce que c'est ça l'attaque suicidaire. Ah, pourquoi tu ressors? Non, ressors pas, c'est pas bien. Kuba, il a échoué. Ouh, bordel. Pardon, excusez-moi pour le mot. Je vais faire à la limite hyperbole. Purée, avant il n'était pas si difficile. Un, deux. Ah non! Qu'est-ce qu'il a fait? Non, 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 non. Purée, non, mais pourquoi tu m'as fait ça? C'est de la triche. Avant t'étais facile à capturer. Excusez-moi de rager, mais bon. Franchement, désolé, mais. Avant, il était facile et tout à capturer, et là, il est compliqué, mais alors. Hein. La dernière fois, il était rentré du premier coup, j'étais fou, quoi. Je vais voir si j'ai pas une autre Pokéball plus efficace. Ah. Mais d'accord. On fait retour vers le menu, il réapparaît de suite derrière. Derrière. Ok. Alors, il change de sexe à chaque fois qu'on essaye de le recapturer. Bon, là, il reste femelle. Qui reste femelle. Allez, fais ton train-train. Faut vraiment que je sache quelle technique et quel type est censé faire. Enfin, il faut que je découvre qu'est-ce qui est pas. Ah, j'arrive pas à le dire. J'essaie de trouver le mot, mais j'y arrive pas. Je suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Faut que je trouve ce que les types spectres ne peuvent pas faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est par exemple une attaque spectre. Ouais. Une attaque spectre, par exemple, qu'elle ne marche pas sur tel type de Pokémon. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà, désolé d'avoir bugué et tout pendant la vidéo. Ah, mais pourquoi tu ressors à chaque fois? J'aime pas, j'ai toujours peur qu'il fasse souvenir.
Allez, rentre dans la sombre bol et fais petit J. Ah, purée, c'est pas vrai. Après, je crois qu'il faut appuyer sur A et B, sur B et la touche en bas. C'est ce que j'avais fait pour le capturer plus facilement. Ça avait marché. Faible au bol. Ouais, non, mais il n'est pas faible comme Pokémon. Un, deux, trois. Oui, j'ai réussi à le capturer. Bon, désolé pour mes instants de rageux. Donc voilà. Voilà comment on capture Spiritomb. Donc voilà, je fais. Alors, je vais lire la définition. Un Pokémon composé de 108 esprits, il provient d'une fissure dans un. Dans une clé de voûte étrange. Voilà. Vous savez maintenant comment le capturer si vous n'avez toujours pas, si vous savez toujours pas comment faire. Sur ce, ciao!